Bonjour Jean Ziegler. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue une nouvelle fois à Strasbourg. Passage déjà, de nombreux passages ici. Alors dans ce livre, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, c'est finalement... En espérant qu'elle en verra la fin. En espérant qu'elle en verra la fin, tout à fait. C'est finalement ce que le digest de toute une vie d'engagement. On va en parler tout à l'heure sur le plateau avec Régis Debray, mais j'ai une question. Quel est votre secret, Jean ? Vous avez 84 ans aujourd'hui. Vous déployez toujours la même énergie en faveur des causes qui vous sont chères. Quel est votre secret ? Je pense que c'est assez banal. Je suis un privilégié parmi les privilégiés. Je suis blanc, j'ai mangé toute ma vie, mes cellules cérébrales se sont développées. J'ai été 8 ans rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies. Maintenant, je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Donc, des positions, un travail passionnant, frustrant, le monde est à feu et à sang, l'inefficacité des Nations Unies et des intellectuels en général est évidente, mais un privilège extraordinaire de pouvoir se battre, avoir de la parole. Saint-Exupéry a dit « Il n'y a pas de commune mesure entre la lutte libre et l'écrasement dans la nuit ». Bien, nous sommes, vous et moi, et quelques autres, dans la lutte libre, dans des démocraties, avec des droits de l'homme, et l'immense humanité, la multitude, est écrasée dans la nuit. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, par exemple. Dans son livre qui servira de support au débat que nous allons avoir tous les trois ensemble dans quelques minutes sur le plateau des Bibliothèques Idéales, Régis Debray, ce livre s'appelle « Bilan de faillite ». Il revient sur tout son engagement. Il dit « Finalement, j'ai servi à rien. On sert à rien, nous, les intellectuels. » Le président de la République française, Macron, il y a un an de sa date, parlait de gens comme Régis Debray ou Badiou et d'autres en disant « Finalement, c'est la voie du passé, ils ne servent à rien. » Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ah, je suis totalement opposé à cette vue. Ça ne m'étonne pas. Non, mais en fait, totalement par expérience. Par expérience. Il y a deux histoires dans lesquelles nous vivons. L'une, la justice effectivement vécue, elle est régressive, c'est vrai, c'est horrible. Mais il y a l'histoire de la conscience de ce que Adorno appelait l'eschatologie. Et cette conscience, la revendication du monde tout autre, plus juste, plus heureux que nous portons à nous, grandit. Et cette utopie est une force historique. Et je pense que le moment est proche où l'incarnation, pour prendre le terme de Sartre, où l'idée devient force matérielle, où l'insurrection de conscience a lieu, ce moment est proche. Donc votre petite fille, elle va voir la fin du capitalisme. Pas seulement elle, mais moi, je vais voir, et je crois que je vais voir la fin de ce système meurtrier, absurde, qui est le système capitaliste. Merci Jean. Merci. À toi.